Ça, on va se dire ouais, que tu veux observer, tu veux pas rentrer tout de suite, très fort. Ouais. C'est peut-être une bonne stratégie hein, de laisser passer l'oral. Ouais. On voit qu'il y a de la foule hein, du côté de Ferrari. Il a envie d'en finir, hein, mais on sent hein, déjà qu'il n'a pas l'air très ébranlé hein, par les coups qu'il reçoit. Pour l'instant, il est. Il est bloqué en défense, hein, j'ai l'impression qu'il est bien. Il est dedans, Ferrari. Hein, hein. Il a alerte, vraiment. Il fait son combat. Au corps, pour SD. Donc là, SD vraiment cherche la longueur. Hein. Il veut faire durer l'échange. Il veut tester le mental hein, aussi hein, de Ferrari. Donc il prétend que quand ça dure et que c'est dans la difficulté, il abandonne. C'est peut-être ce qu'il veut faire. Ouais. Il essaye de crocher, voilà. Ferrari qui est en défense. Et un bon low kick en sortie. La combinaison de la part d'SD. Alors c'est l'une de ses forces aussi, hein, SD Gear, c'est low kick bien sûr. Après, on dit c'est plus duré, hein, on sent la puissance des frappes hein, d'SD Gear. Ouais, le coup bien tourné. Celui qui avait mis KO Stéphane Leko. Pour Ferrari. Ferrari, c'est un très bon jusqu'à présent. Encore une pierre tournée. Le côté des Zidiaf qui se sort pas mal non plus. Hein. Qui fait le boulot. Ce que j'allais dire, hein, c'est-à-dire que c'est très bien hein, ce qu'il fait. Hein. Il encaisse, il prend les coups. Donc Ferrari a marqué plus de points, mais c'est très bien ce qu'il fait. Un bon low kick juste avant la fin du round. Très bon premier round. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés, on est d'accord. Stratégiquement, c'est très bien hein, ce que fait Zidiaf. Il a l'impression d'être totalement dominé, mais on sent hein, qu'il est en progressivement dedans. Il sait qu'il ne pourra pas tout donner sur 3 rounds. Donc, alors, voilà, première séance, séquence. Et puis surtout ce low kick en sortie, voilà, qui a fait mouche. Alors, on sait c'est l'une de ses forces, hein, les low kicks à SD Gear. Alors, on voit ce coupier retourner qui arrive dans les gants. Alors, quand on sait aussi le parcours qu'il a eu, hein, il a été formé par Tom Haring, Oshak Uriki. Et derrière, il a rejoint le Vos Gym. Donc deux clubs avec des grands spécialistes de low kick. Ferrari qui est plus complet, hein, on s'en doutait, hein, qui varie les zones de frappe, travaille au corps, travaille la tête. C'est très bien hein, ce qu'il fait, hein, Ferrari, pour le moment. Vraiment, il varie les zones, du volume. Il n'a pas été mis en danger sur le premier round. S'il arrive à maintenir cette fréquence-là, cette activité, jusqu'à la fin, il gagnera. Il gagnera. Après, est-ce qu'il pourra le faire? C'est le qui sait. Et puis on a vu aussi Eddie Gargès beaucoup dans l'analyse hein, sur le premier round. Peut-être que là, il va passer à la vitesse supérieure maintenant. Ouais, je pense qu'il y a des ajustements hein, qui vont être faits hein, dans le deuxième round. Ouais, il accélère. Ouais, il accélère un peu, Eddie Gargès. Tiens, il allonge. Et là, Ferrari qui a été touché, hein, j'ai l'impression. Travaille au corps maintenant. Alors, qui sépare. SD Gear qui sourit. Et la réponse de Ferrari. Il cesse pas à voir, SD Gear, il rentre pas dans la bagarre avec son adversaire. Il est très sérieux, très, hein, très consciencieux hein, dans ouais. sa stratégie. Il fait ce qu'il faut. Et encore ce travail en low kick, ça commence à payer. Hein, c'est là, on sent toute l'expérience hein, de ces deux combattants. Voilà, il continue à enchaîner. Accroché au corps pour Ferrari. Le kick. Le middle pour Ferrari. Ah, il est bien passé. Il bronche pas, hein, SDG, alors, il bronche pas. Toujours c'est le kick en sortie hein, pour SDG.
Et il y a un protégement qui a sauté. L'arbitre s'est interposé. Donc là encore, on a un combat très équilibré. Très équilibré, très intéressant visuellement. Très très intéressant. Là, Larry hein, qui est au rendez-vous hein, pour le moment. Il a penché au corps encore. On voit hein, le corps qui rougit. Hein. Ouais. D'Esdigère. Je pense qu'ils ont tous deux des préférences. Hein. Barari travaille beaucoup au corps et Edgar travaille beaucoup dans les jambes. Dans les jambes, on voit la jambe de Barari. Ouais. Rougit. Ah, il commence à bloquer. Toujours ce travail au corps et remonte en uppercut, magnifique. Protégeant qui a volé. Et c'est Barari hein, qui l'a craché. Alors, c'est celui de Ziggyard. Un avertissement pour le protège-dent. Il reste 30 secondes dans ce second round. Change de low kick. Encore un low kick de la part des DJR. Et encore un. Encore un. Du côté le travail au corps, hein, très bon travail au corps. Ah, ouais. Très très bon travail au corps. Et ce coup de pierre tourné. Il aimerait passer. Il aimerait, hein, bien sûr, que ça passe, mais. Fin du second round. Encore un très bon round pour les deux hommes. Très très bon round, hein. Tant techniquement que visuellement. Et puis il y a de l'engagement, hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors un bon bon travail au corps pour Barari. Dans ce second round, on a vu énormément de crochets qui sont passés. On voit d'ailleurs les flancs de Edgar s'il commence à rougir. D'ailleurs, il est sanctionné juste derrière. Il se travaille, il ne peut pas travailler au corps. Alors que Zigas qui a pris beaucoup de coups dans les flancs, mais attention, Barari qui a pris beaucoup de coups dans les jambes, on a vu hein, sa jambe qui commence même à changer de couleur. Ça bien sûr, hein, elle est touchée. C'est très, très bon low kick, hein, Zigas, genre, que ce soit en sortie de combinaison, en attaque. Attention, c'est le troisième et dernier round, et faut pas qu'il crache son protégeant une nouvelle fois. Zigas, il pourrait prendre un avertissement et un point de pénalité qui pourrait lui coûter très cher. Là, ça va être la guerre, hein, je pense. Bon, dans les trois dernières minutes, tout donné. Je vais travailler au corps, c'est vraiment corps contre jambes. C'est très bien ce que fait Barari. Très bon travail, très intéressant. Beaucoup de genoux. Et toujours ses crochets au corps. Ouais, c'est très intéressant hein, ce travail. On sent vraiment qu'il travaille comme au sac. Ce genou hein, qui arrive dans les bras. Et Barari qui a l'air un peu plus frais ouais, ouais. Que son adversaire. Il presse davantage dans ce troisième round. C'est ce qui peut faire la différence hein, bien sûr. Hein. Voilà, ce genou encore qui rentre. Et un crochet à la tête. Crochet qui rentre. Edgar qui commence à chercher un peu, essayer de s'accrocher. Barari hein, qui le repousse. Un kick, bloqué. Okay. On regarde dans le côté d'Edgar, ça devient dur. Alors, on sent plus la même tonicité dans les coups. Il y a un petit décalage. Alors on a l'impression que Edgar il a du mal à suivre. Il a du mal à suivre, c'est du bon boulot hein, ce que fait Barari. C'est très bien, je roule encore qui passe. Il reste une minute dans ce combat. Et le public qui encourage Barari.
Allez, prochain qui passe. Il est en train de faire la différence. Hein, il fait clairement la différence dans ce troisième round avec ce coup de genou encore qui rentre au corps. Toujours le même travail de sable et de destruction. Encore pour Bavari, dernière seconde de ce combat. Voilà, on aura vu hein, que la gestion hein, de SDGR n'aura pas été payante. Et fin du combat. Et c'est une victoire écologique hein, pour Bavari. Elle a terminé beaucoup plus fort. Il a le premier, le deuxième est un peu plus équilibré. Mais il a le premier et le troisième pour sûr. Et finit très fort hein, quand même, hein, le troisième avec une domination totale. Hein. Qui a pris énormément de coups, notamment dans les flancs. Il n'a pas bronché hein, par contre. Bon, on l'a senti accuser le coup sur la fin du combat. C'est un travail très très intéressant hein, qu'a fourni Bavari. Et finalement, pas déçu hein, de ce retour. Très très bon retour hein, de la part de Bavari. Et puis cette perte de poids qui aurait été bien inspirée finalement. Il a gagné en vitesse effectivement et on l'a senti plus frais, plus tonique sur ses frappes ouais. Jusqu'à la fin. Et puis on voit, alors qu'on voit les deux hommes à côté, il doit avoir facilement quoi, 15 kilos d'écart hein, entre les deux. Peut-être même plus. Je sais pas, mais peut-être au moins 10. C'est pas 10 de muscle, bien sûr, ou une unité.